puis nous avons vu ni football ni si c'est un bal à moumoule nous alors donc nous amalon fi c'est un regroupement au niveau du stade moumoule comme gagné bon dernier wajal c'est une coupe d'Afrique au Kenya dans 3 semaines alors donc pour nous comme nous nous 23 jours là nous et nous donne les gars comme nous goulet là moumoule comme dit de faire un championnat bop. Alors nous n'aimons que vous ayez joué nga xamantene amna ñu talent trop c'est vrai que Kédi Abdou Aziz Dié nga xamantene mo leen tagat vraiment mom rafetna lol choix mi aussi parce que aussi choix yi tamit ay critères la c'est vrai que ñi nekk fi amna ñi nga xamantene ci région yi lañu bayeko ñew Dakar di wulen wax aussi né équipe pratiquement championnat mu may démarré gul fi ci Sénégal way ñu japp né rek Thiès Ziguin Chor ak Djourbel yoyu dëkk bu né manam fi amna fi championnat donc voilà donc ñu ngi ni ak sen staff yi manam sen dirigeant yi Tassirou Diallo nga xamanté moy manager général Abdou Aziz Dié mo leni tagat ñu am tamit ben expatrié nga xamanté ñukoy nane Khadim Barrow mom attaquant la France la joggé momit xam ngeen France tougal ñom am nañu championnat manam surmier. Voilà donc ñi ngi ni di dem coupe d'Afrique xara ñu ñaanal leen rek vraiment une très bonne participation c'est vrai que ñi ngi xaar nak dimbalu ki c'est vrai que amna ñi nga xamné jot nañ duggal seen loxo pour dimbali leen waye nak voilà ba légui ñi ngi sakku dimbal ci manam askanu bonne volonté yi waye nak vraiment surtout ñu jappal leen aussi comme vraiment ñu jappalé jeunes sport yi comme beat shaker pourquoi pas parce que li moy première édition bi vraiment xëna ak lolu vraiment ñu mëna am ndam. Wow, en fait, merci. Je m'appelle d'abord Abdou Aziz Dié, donc je suis le coach de l'équipe nationale des Sourmiers. Donc, quand on m'a nommé entraîneur de l'équipe nationale des Sourmiers, c'est vrai que j'ai un vécu parce que je suis interprète en langue des signes. Voilà, donc quand les dirigeants aussi qui sont venus me voir, je savais qu'aussi, donc je suis entraîneur de football. Maintenant, quand ils m'ont demandé vraiment donc, de diriger cette équipe de nationale-là, aussi, je les ai demandé. Peut-être d'appeler tous les jours au niveau national, comme c'est une équipe nationale, d'appeler tous les jours ici au stade de Mbaola. Donc on a vraiment fait des matchs. Oui. Ensuite j'avais déjà contacté des coachs collègues, entendant comme c'est une affaire de sourmier. Voilà, donc il fallait au moins peut-être aussi chercher l'expertise ailleurs. Donc j'ai sollicité vraiment donc, certains collègues, en l'occurrence de les pilés. Et autres là, donc ils étaient là en haut, donc je les ai vraiment donné des critères de sélection. Ensuite nous on a organisé d'abord comme ça, donc ces matchs de football là, on devait au moins maintenant sélectionner 23 jours. Voilà, c'est par là qu'on a, c'est par la suite donc on a su vraiment sélectionner ces 23 jours qui doivent représenter l'équipe nationale des Sourmiers. Maintenant les joueurs aussi viennent de partout dans les régions, il y en a qui viennent de Thiès. Je pense que parmi les 23 nous avons 4 jours à Thiès. Il y a aussi à Louga, on a un gardien comme Khadim, à Mbour, à Dakar, à Pékin, à Thiaré et au Parcel Jasséni. Donc c'est comme ça qu'on a l'équipe est composée donc comme ça donc de ces joueurs-là. Voilà. Alors vous avez débuté le regroupement depuis quand? Depuis hier. Et il n'y a pas encore de match amicaux et autres? Non, on est dans notre première semaine. Voilà, donc on attend peut-être, comme on a 3 semaines, donc on est en train d'avoir de travailler donc, pendant une semaine. Après maintenant, après la deuxième semaine, on va essayer peut-être maintenant comme ça donc, de chercher des matchs amicaux. Le temps peut-être de mettre comme ça donc, le projet de jeu. Quoi. Et la CAN, c'est pour quand? C'est dit 11 au 25 septembre, au Kenya, à Nairobi. Ouais. L'équipe nationale quitte quand? Bon, peut-être vers le 9 ou quelque chose comme ça. Ouais. Déjà, il y a le ministère des Sports donc, déjà, qui a pris les devants. Normalement, on devait même être à Touba Diallo. Voilà, donc, il y a aussi le ministère de la Santé. Vraiment, comme la question du handicap, donc, c'est une question transversale. Donc, tous les services du Sénégal donc, peuvent vraiment donc, intervenir donc, sur ça. Quoi. Donc, il y a aussi Handisport. Parce que donc, cette équipe-là aussi est affiliée donc, au niveau d'Handisport. Comme vous le savez, donc, le ministère des Sports travaille donc, avec les fédérations. Voilà, donc là où je vous parle, je pense actuellement donc, nous avons sollicité aussi vraiment donc, des appuis partout au niveau des sponsors, mais jusqu'à présent, je pense actuellement donc il n'y a rien. Mais pour l'instant, on peut dire que vraiment donc c'est le ministère des Sports vraiment qui a dit qu'il va, malgré
que cette équipe-là n'était pas prévue cette année. Mm-hmm. Mais ils ont essayé vraiment coréen. Mais ça reste au moins, pour prendre quelque chose, ou bien quelques membres de la délégation, pour qu'on puisse vraiment donc, aller donc, au niveau de Kenya. Alors, donc, peut-on dire peut-être quelque part les moyens ne suffisent pas pour le moment? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que je me suis dit que nous aussi, vraiment, si on attend d'abord le ministère avec vraiment la Coupe d'Afrique et la compétition d'abord donc du Bushaker, vraiment, si on les attend, on allait vraiment donc, dû avoir donc, du retard. C'est pourquoi donc, j'ai forcé les dirigeants à débuter hier donc, le regroupement. Alors, passe sanitaire, on n'a pas demandé aux joueurs de se faire vacciner? Oui, oui, oui. D'ailleurs, pour participer dans cette compétition-là, on doit, avant même cette passe sanitaire-là, donc ils doivent au moins envoyer d'abord donc, le dossier de sanitaire, le dossier médical autant pour moi. Donc il y a les audiogrammes, il y a le thorax donc, en face. Et tout ça aussi actuellement donc les gosses l'ont fait. Parce que dès qu'ils ont aussi vraiment donc, ils doivent donc, participer donc, dans ce tournoi-là, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative avec leurs parents d'aller au moins comme ça donc, faire donc, ces visites médicales-là. On n'utilise pas l'âge ou bien. Mais forcément il faudra être un sourmier pour participer. Oui, oui, il faudra donc être sourmier, c'est vraiment l'objet d'abord donc, de ce dossier médical là. Voilà. Pour ne pas au moins comme ça donc amener peut-être des jours en tendant que ce soit comme ça. Quoi. Donc chaque jour présente un dossier médical. La CAN se joue avec combien d'équipes? Bon, pour l'instant, je pense qu'il y a 18 actuellement peut-être qui se sont manifestés, mais comme vous le savez, il y a pas mal d'équipes. Voilà, donc je pense qu'il y a 5 ou 6 peut-être au dernier moment qui ne peuvent pas peut-être participer à cause de ça. Mais le ministre de la Santé, vraiment donc qui est sanitaire là, vraiment donc, nous a aussi vraiment dit qu'il donc, va prendre ça aussi gratuitement. D'abord que Abdul Aziz Dieng, mon coach, donc nous avons participé pour la première Coupe d'Afrique des Nations au Kenya, il a pensé que nous allions apporter quoi. C'est ma expérience. C'est là, nous, aussi au niveau de leur administration, on m'a nommé le même manager général. Donc, depuis lors, ils ont pris l'équipe, ils ont commencé à entraîner ici à Mbao, bon, parce que nous sommes à Mbao. Donc, depuis lors, nous avons été, vraiment, j'ai vu que hier, parce qu'il y a eu des talents. Même, mais il y a eu vraiment de bons joueurs. On a aussi un expatrié, Boudjogi en France, boxe équipe. Bon, moi aussi, bon, beaucoup aussi les sélectionner. Donc, on va essayer d'amener 20 joueurs au Kenya. Dignan et Alanak, nous avons gagné le trophée Indy Kofi. Qu'est-ce que vous dites au peuple sénégalais dans le sport? Bon, dans un premier temps aussi bon, il faut aussi nous sente gërëm ñi nga xamé né bon actuellement ñi ngi ci def sen loxo di ñu jappelé. Il y a le ministre des sports, il y a aussi le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, il y a aussi Serigne Mbacké Ndiaye, il y a Malick Cissé bi nek à la présidence. Il y a pas mal de gens, parce que moi, vraiment, je suis vraiment dit, peut-être que je suis mais il y a pas mal de gens qui ont été appelés. Même Abdou Karim Sall, qui est ici, bon, moi aussi, je suis de Florom, avec M. Abdoulaye Pouy. Abdoulaye Pouy, l'autre jour, je suis par le biais de Ndiawar. Donc, bon, il y a dans, vraiment, Sénégal, il y a pas de donc, bon, c'est une dame, parce que bon, peut-être amna ñu ben lago bo xamni mom lañu am que né ay mouma lañu mais li nit ñi di def lañuy def parce que dañuy football diko respecter si li nga xamni mom mo war man bima ñëw gis le ñuy jé c'est deug deug man dama yémé xawmo né ay mouma dinañu jé vraiment.